Dans la Minute Manga, aujourd'hui on va parler d'Ashita no Joe. Ah, le bouquin qui a mis 42 ans avant d'arriver en France. C'est lent le bateau. L'histoire d'un vagabond, surdoué de la baston, pris en main par un ancien boxeur. Qui voit en lui l'avenir de la boxe au Japon. Mais ça, c'est pas gagné. Soulignons tout de même que tout se joue dans un Tokyo classique et réaliste des années 60. Et que Joe n'a aucune valeur des héros traditionnels. C'est même une bonne petite raclure. Ah ouais, arrogant, malpoli, arnaqueur, égoïste. Ouais, un peu comme toi finalement. Oui, je sais. Mais grâce au sport, il trouvera sa propre voie. Notez aussi le côté old school du dessin qui ne retire en rien au modernisme de l'intrigue. Et à la qualité de l'histoire. Toujours aussi efficace et authentique. Ashita no Joe, un manga qu'on ne peut que conseiller, même si c'est vieux, et dans lequel tout petit garçon qui se doit peut se plonger les yeux fermés. Enfin, pas trop longtemps, sinon il verra rien.